Yebo, et comment? Salut la famille, man. C'est toujours Kalis Côte d'Ivoire, bon. Il n'y a plus à présenter. Voilà, par rapport à mes séries là. D'accord, la semaine passée, j'étais sur la saison 17. D'accord, mais ça a été coupé. Et puis bon, ça a été un peu chap-chap, mais il est revenu un peu dessus. Voilà. Donc, comme la dernière fois, je vous avais dit, c'était au niveau de la PM. Voilà, mais j'ai sauté, j'ai revenu un peu derrière par rapport au Jassa. Donc, voilà, c'est toujours, moi, je vous ai dit, moi, mes histoires là, il y a toujours, c'est réel. Voilà, parce qu'il y a les vivants, ceux qui sont morts, voilà, paix à leur âme, mais il y a toujours des vivants. Donc, on était au Jassa, au Taïguer. Il y avait, vous savez, à l'époque, c'était, il y avait puis Kassoum qui mettait drap. Voilà. Et moi, j'étais derrière Diaby Couette. Voilà, il était le garde rapproché de Diaby Couette. Pour ceux qui ont connu Diaby Couette au bon vieux temps. Voilà. Donc, ça veut dire que c'était les vrais couturiers du pays à l'époque. Voilà. Il lui était conseillé au temps des Bédi. Il était conseillé après, maintenant, il était débuté à Samatigila. Il était débuté là-bas. Donc, il était sa garde rapprochée. Il était chez Diaouli. Donc, il sait ça, il se souvient bien. Donc, on était aux deux plateaux chez lui, on faisait sa garde rapprochée, on déboîtait, on tournait avec lui, tout. Donc, c'était Gigi, voilà, c'était mon boss. Et il y a son frère Sam, qui était en Arabie Saoudite, Moussa Fassi, qui est arrivé, celui des Dallois. Voilà, pour ceux qui l'ont connu. Voilà, ça, c'est le vrai moro de Dieu, ça, Godani. C'est le vrai moro de Dieu. Donc, quand son frère Sam est arrivé, son mouvement était un peu Niamey, les gars étaient un peu entrés. Le Niamey est un peu au niveau de Dallois. Voilà. Donc, ils étaient sur lui parce qu'ils ont dit, ouais, il avait payé pour un Boussmani, tout ça. Rentrer ici, sortir ici, ouais, tout ça. Donc, c'est passé comme ça. Donc, il fallait que son frère Sam, Diaby Couette, qui était le président du Conseil supérieur islamique, fallait qu'il trouve un garde rapproché pour lui. Donc, il a dit, ah, Kalis, comme tu es un chef, tu es un plein. Il était détaché spécialement pour être la garde rapprochée de mon vice-président, voilà, qui est docteur Moussa Fassi. Donc, c'est comme ça, il m'a envoyé derrière Moussa Fassi. Donc, j'étais la garde rapprochée de voilà, Moussa Fassi. Il m'avait donné un PA. Un PA où il m'a appris à tailler un peu au niveau des Gogoyou. Donc, les coqs ont commencé à me former par rapport au taillerie. Donc, j'étais fourré tout ça. Donc, comme ça, il a commencé à faire de la garde rapprochée du docteur Moussa Fassi, celui des Dallois. Vraiment, le boss, si tu vois cette vidéo, tiens, salam alaykoum là-bas, salam alaykoum là-bas. Voilà, c'est toujours Kalis Côte d'Ivoire. Ton fils Yafouille, garçon gros grain. Voilà. Donc, c'est comme ça, il a commencé à mettre la sécurité du boss. Donc, quand j'étais avec le boss, on voyageait, on partait à Dallois, Séguéla, Mans, parce que ces voyages-là, l'Arabie Saoudite avait des projets au niveau du pays pour construire les mosquées, l'entrée dans tout ça. Donc, on partait dans ces villes-là pour ces projets. Donc, on partait voir les mosquées qui ont été déjà construites. On partait dans des coins où c'est maintenant ils vont construire. Donc, on nous recevait même comme les Salamans. Donc, moi-même, j'étais devenu musulman. J'ai été converti par l'Arabie Saoudite quand ils sont arrivés. Ils sont tombés fin de mois. Ils m'ont converti, j'étais devenu musulman. Donc, quand je priais Gigi, tout ça. Voilà. Donc, ça fait que j'ai commencé à déboîter le boss partout, on déboîtait. Et un jour, on arrivait à Séguéla. Avec le boss, il y avait moi, et puis le boss, et puis son chauffeur. Le chauffeur, c'est Siaka Touré. Touré, tiens, coucou là-bas pour moi si tu vois la vidéo. Donc, partout, on arrivait dans toutes les villes. Il y a fou qui jasse moi. Tous les petits, ils sont fans de la du bateau. Donc, j'ai des boîtons fous derrière moi seulement. Le boss, je crois, le boss dit, tiens, mini, tiens, yere, yere, l'eau. Ouais, diamant bas, colombé. Il dit, ah, le boss, il dit, waouh. Il dit, ouais, c'est que c'est une vraie personne. Voilà, parce que l'homme, c'est son âme qui fait que voilà, les enfants t'aiment, les hommes t'aiment. Donc, si toi, il y a fou qui garde derrière toi, c'est que tiens bon quelqu'un. Il dit, ah, le boss, il n'y a pas de là, c'est Dieu. Voilà, mon cœur, là, c'est blanc, c'est propre. Encore, nous, on cherche ça d'abord et puis avancer seulement. Non, c'est quoi, en fait? Parce que, bon. L'étude là, ça n'a pas souri. N'a pas un parent qui est coutrou, qui est posé, qui a été. Voilà. Donc, c'est ton achoqueté, ton cracrali qui te fait évoluer, beau. Voilà. Donc, le bois, ça a pris de là. Donc, on arrive à Séguéla.
foulé debout tous les enfants. Quand il déboîte le boss, il dit, même si le boss assis, il y a une cour, il dit, tu vas voir devant la cour, là, c'est boué. Les mains, ils ont boué le coin. Moi-même, je suis là, je suis avec le boss, quoi. Je dis au boss, je vais poser. Je viens, je cause un peu les petits nids. Ils sont chers. Après, moi, j'ai récupéré, je suis à côté du boss. Quand on devait dormir, donc, j'ai dit au boss, bon, il n'y a pas de drap. On va aller déjà. Non, j'ai laissé le boss. Quand le boss est parti, déjà, le chauffeur et moi, on est parti dans notre auto. Tiens, moi, je ne comprends pas. Le jour, le boss en jaillit de moi, le boss me lâche un mou comme ça. Le chauffeur, il emboule. Alors que lui, quand il fait un truc, on le lâche mou mou, moi, j'ai dit fouille. Ça ne m'intéresse même pas, je ne m'occupe même pas de lui. Donc, le boss m'a lâché un mou, petit à nyangbe jusqu'à. Il craque même, il parle, mais il ne répond pas. J'ai dit, petit moron, il faut qu'il y ait le dofo. Et ça commence à devenir y rentrer. Donc, ouais. C'est un tap à petit là. Donc, tiens, nous, on allait déjà. Petit et moi, on est déjà dans la même auto. Dans la même chambre. Il dit, lui, là, il tape à la nuit. Là, il va comprendre sa douleur. Mais dans le tabac, moi, c'est pas conduit. À l'époque, il n'avait pas encore passé mon permis. Donc, il dit, il y a très que lui là. Qui va godon le boss pour aller, pour finir, pour qu'on arrive à ta loi. Donc, le mouvement était maniéré. Donc, il était là, il sassa le boss, j'ai dit non, c'est pas bon. Ce qu'il a fait là, il faut qu'il garantisse lui. Même lui là, il est déjà là, il est réveillé si petit là. Petit là, envoyé au chien, si moi. J'ai dit, il n'y a pas de pied, il dit petit là, c'est un sorcier. Ton matin, quand il est debout, il est sûr, il dit toi. Si c'est pas à coup de. On va quitter cette partie là. Ce qu'il allait te monter aujourd'hui là, tu vas comprendre ta douleur. Petit soyez. C'est moi qui as venu me prier. Du coup, il rêve de te voir en rêve. Je ne laisse pas, hein. Donc, il commence à le trafiquer, le gars même. Donc, je suis parti voir le boss. J'ai le boss, avec il faut qu'il te parle. Ouais. Tu sais, voilà. Moi, si ta garde rapprochée, fais ta sécurité. Petit là, c'est lui qui est le chauffeur. Mais moi, là, je ne suis pas contre lui, je ne le calcule pas. Mais pourquoi chaque fois, quand il y a un mouvement de petit fognon? Moi, j'ai dit, ça, ça n'a qu'à arrêter. Si ça n'a pas arrêté là, la VT, un jour là, tu vas comprendre que peut-être même là, c'est quelqu'un d'autre qui avait été loin en partie. Ouais. Parce que ça m'a donné de faire, ça ne me plaît pas. Chaque fois qu'il y a un petit truc, petit mouti, il fognon. C'est quel mouvement ça? Moi, je n'ai pas ce genre de truc là. Hein. Donc, il commence à trafiquer le boss. Donc, le boss de Dalois, de Ségué là, Dalois, quand il est rentré dans tes mains, le boss a commencé le garant. Non, faut pas faire ça. Voilà, Calice, il est devenu tout comme ton frère. Voilà, s'il y a un mouvement là, voilà, voici comment ça s'est passé, il ne faut pas faire ça. Quand le gamin dit, ouais, n'ingrand, il dit, ah, moi je t'ai prévenu, si ce n'est pas à cause du boss là, ça n'avait pas devenu comme ça. Voilà. Quand on est arrivé à Dalois, quand on a fini à Dalois, Boubou, on a dit à papi, on est venu à la capitale. Donc moi, j'ai commencé à blabler à lui maintenant, c'est-à-dire je ne m'occupais plus de lui, je ne pensais même plus à lui-même, j'ai commencé à le mettre à l'angle. Donc quand on est arrivé à la capitale maintenant, alors qu'avant de partir dans le voyage là, avec le boss là, on avait un mouvement de syndicalistes, Yaya, Kassoum, tout ça là. Voilà, c'était au niveau de. Voilà. Parce que moi, j'étais toujours dans mon boy. Voilà, malgré qu'il y avait mon mouvement, mais je venais à Djamé, Mangiré, voilà, les pays d'Abali. Je venais. Donc, les Sylvestres, Carré, Dave, tout, on avait pris le niveau de Cipores, on avait pris Yopougon. Donc, c'était prévu que, à Yopougon, à Cipores là, moi, je sois là, et Dave, Pachi, on soit là, je sois à Cipores. Maintenant, quand mon mouvement est tombé, le boss est parti en voyage là. Je suis parti en voyage là. Ils ont mis Dave, le carré, on est parti aussi, parti manger là. Donc moi, je viens, il dit, mais bon, moi, je vous ai parlé, c'est qu'il y avait un Dabali, je suis parti en voyage. Maintenant, moi, mon jour là, c'est quand? Les Varmons sont en train de parler, Sylvain sont en train de parler, bizarre. Oh. Il dit, foutaise. Moi-même. Alors que si pour reste là, mon frère s'en losse et il perd son âme. Au Tiger là, le Seigneur Los et moi, on a pris Baka, on est venu arracher l'un des syndicats des supporters de Yopougon là. Les Amani, on co boxait, Los et moi, on est venu tout faire leur ration, déboîter. Et son terrain, nous, aucun lui qui a ferré, il allait prendre coup de pied dans la langue. On a trafiqué le couloir, jusqu'à on a pris Baka, on est venu à Djamé. On a commencé à trafiquer le couloir. Et moi, j'ai fait tout ça là. Parce que je voyage avec mon boss, je reviens, mon jour est mort. Il y a eu sa foutaise.
Et bon, ce que vous allez comprendre là, je vais vous montrer ça ici. Je n'ai pas à faire des choses. Donc, si vous connaissez Dabali, nous, on ne connaît pas. Je dis, ouais, toi, tu as voyagé, nanana. Il dit, mais quand Bangban de ça a commencé un nouveau récit pour les, qui sont ceux qui étaient devant? Il dit, bon, ok. Donc, j'ai appelé mon frère Sang. Hey, Peter, un coucou pour toi là-bas. Voilà, voyez, c'est que tu as ça la vidéo. Donc, je suis parti à la routière. J'ai fait mon boing. J'ai appelé mon frère Sang, Peter. Il dit, Peter, voilà, voici mon mouvement. Je vais prendre mes petits lagars routiers ici. On va les créer nous-mêmes nos lignes. En de quoi? Voilà, ils vont prendre là. Donc, si pour eux, en de quoi? Comme ils veulent gérer le pouvoir, moi, j'ai créé ma ligne. Donc, j'ai pris mon frère Sang. Matin, j'ai rassemblé foule de petits cocorico. Et bon, allons-y au pouvoir. Direction, en de quoi? Abi, tous les bacas des en de quoi? Encaissement. Ils ont commencé à me fessier. Mon frère Sang, Peter et moi. Et le paquet. Et sur la gare là-bas. Les hauts, les, comment on appelle là? Les Enza, paix à son âme. Et comment ça s'appelle là? L'autre là? André You, les carrés, ils sont à la gare là-bas. Donc, moi, mon frère Saint-Pierre et moi, on était là. Nos enfants, ils encaissaient, ils venaient faire canner. Le moumou tombait. Matin de 6h, 7h, 8h, jusqu'à où là, 10h. À ce moment, moi, il tabassait partout. Là, il y avait mon moumou aussi à la gare. Dans ma gare là-bas. À Djamé. Donc, j'ai dit, bon, j'ai fait tout à la gare. Et puis, je reviens. J'ai vu un peu l'atmosphère de là-bas, comment ça se passe. Et puis, je reviens. Donc, Peter, on fraya, on laisse les barreaux ici, on revient. Abi, on a la routière. Tant que pas, on dit qu'ils ont commencé à attaquer nos enfants. Et qu'ils ont pris deux de nos enfants et les envoient à Gabriel Gar. J'ai dit, bon, ok, bon, Peter, on fonce là-bas. Tu en arrives dans les bureaux là. Oya. André, il dit, toi petit balou là, ça est toi, c'est eux qui jouent avec toi. Moi, j'ai été déjà, il dit, ton kata là, c'est des tu causes pas. Et si c'est Fafa là, tu dors. Ton kata, c'est des ça ne dort même pas. Donc, tu fais comment? Tu fais comment? Parce que quand t'as la main, ça ne tient pas. Si c'est que tu prends pour faire ton haut là, ça ne tient pas, tu fais quoi? Tu connais que tu. Eh, hey, je ne laisse pas. Donc chacun, oui, non. M'appelle au bureau, non, il faut qu'on voit ça, on arrête ça. Ils vont commencer à me rationner. Non. Je dis non, moi, il faut mon bon, il faut qu'on tape pas. Il faut que nous, on tape pas. Parce que voici. Moi, j'ai fait tel guet. Allez, ici maintenant, et puis vous allez taper sans moi. C'est foutaise. De quoi créer sur os même. Donc, tous les grands chefs de la gare, là, ils ont commencé, non, Calice, faut voir, Pachi, tout cela. Dave, ils ont commencé, Caréo, Calice, oya. Non, mon frère Saint-Pierre, on était là, c'est Nyangbessé, on craquait seulement. On a manieré jusqu'à, bon, les gars, je vais vous laisser la suite après. Donc, au prochain épisode, voilà, restez à l'écoute. La continuité du film de Calice continue. Bon. Coucou à tous mes fans, coucou à tous les frères saints et ceux qui se rappellent du mouvement. Ouais, un bonheur pour vous là-bas. Donc, il y a plein de way. Jusqu'à Oyola, c'est la saison 18. Je suis à vous. Donc, je vais vous laisser là et puis on est ensemble. Il y a Fukita.